Salut Thomas. Comment vas-tu? Je vais bien, mais je suis débordé de travail. Ah non. Ne me dis pas que tu ne seras pas là pour Noël? Mais bien sûr que non. Je me suis enfermé dans le bureau ces jours-ci et j'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour pouvoir terminer mon travail avant les vacances et passer Noël avec vous. C'est génial. Tout le monde sera heureux de te voir. Oui, mais tu ne dis rien pour le moment. Je vais leur faire une surprise. D'accord, mais quand est-ce que tu vas venir ? La semaine prochaine. Super. J'ai hâte de te voir. Alors, dis-moi, comment se passent les préparatifs pour Noël ? Très bien. Laura et David sont allés avec papa pour acheter le sapin et les décorations. Et maman, comme tu le sais déjà, elle s'amuse à préparer les cookies. Tous les jours, elle essaie une nouvelle recette. C'est bien l'ambiance de Noël que j'aime tant. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis au centre commercial. Je suis venue pour acheter les cadeaux de Noël. Tu sais, je n'ai rien à acheter. Je n'ai pas de temps libre pour faire du shopping. Ce n'est pas grave. On le fera ensemble la semaine prochaine. De toute façon, l'écharpe que je veux acheter pour grand-mère est en rupture de stock. Et le vendeur m'a dit de revenir la semaine prochaine. Merci. Je dois te laisser maintenant. Le travail m'attend. Au revoir. Oui, bien sûr. À bientôt. Salut tout le monde. Quel joli sapin. C'est Laura et David qui l'ont choisi. Excellent choix. Tu as beaucoup de paquets dans les mains. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cadeaux de Noël. Pour nous? Évidemment. Fais voir. Non. Pas avant Noël. Soyez patient. Que dirais-tu de venir décorer le sapin avec nous? Avec plaisir. Lucie, tu peux me passer des boules blanches de Noël? Oui, bien sûr. Maintenant, je vais mettre les guirlandes électriques. C'est très beau, mais il manque une chose. Ah oui, c'est vrai. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on va mettre
au sommet du sapin? Un ange ou une étoile? Une étoile. Allez-y. Mettez-la, ensemble. Bravo. C'est magnifique. Excellent travail, les enfants. Où sont vos chaussettes de Noël? Accrochez-les sur la cheminée. Le Père Noël va vous laisser des cadeaux à l'intérieur de ces chaussettes. Maintenant, portez vos manteaux. On va décorer à l'extérieur. On doit accrocher la couronne de Noël sur la porte. Tout de suite. Attendez-moi, j'arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça sent bon. Je suis très heureuse que tu sois là. Je croyais que tu n'allais pas venir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Passer Noël avec vous est une immense joie. Allez, venez tous par ici. Je vais vous donner vos cadeaux. Alors, je commence par grand-mère, je t'ai acheté cette écharpe. Je la trouve jolie. Merci beaucoup. Mais de rien. À qui le tour maintenant? Moi? Elle est trop belle. Mille merci. Tiens, cette robe est pour toi. Et pour David, des jeux vidéo. Génial. Je te remercie. Thomas, je suis sûre que cette chemise va te plaire. Bien sûr. C'est ma couleur préférée. Et pour papa, un peignoir. Merci ma chérie. Et, je finis avec maman. Voilà des boucles d'oreilles, en forme d'étoile. Merci beaucoup, tu as si attentionné. À mon tour. Est-ce que vous êtes prêts pour vos cadeaux? Oui.